Alors je vais vous montrer maintenant comment enduire sur un mur, la première couche, mur à glo. Le mur à glo, de l'eau, la brosse, arroser la brosse ou un jet si vous avez une grande surface. Alors l'aglo, on l'arrose moins que la brique, ça boit moins, mais il faut que vraiment soit arrosé, qu'il y ait de l'eau. Si c'est une grande surface, on arrose la veille. On arrose le jour même. Et pour des températures élevées ou Mistral, il y a d'autres façons à respecter. Là, on a bien arrosé. Le mur est bien trempé. Le mortier est toujours là. Ma truelle, le mortier, pareil, et comme je vous présente, ma taloche en matière poussière dure. Comme je vous disais tout à l'heure, et ce pas en bois, ne bouge plus maintenant. On prend un petit peu d'enduit, de mortier, et vous voyez, le bras arrive au mur, c'est le poignet qui fait ce geste là. Le poignet, vous entendez le bruit, quand le mortier s'éclate contre le mur. Le geste, on arrive contre le mur, c'est le poignet qui fait le dernier tac, tac. Comme ça. Voilà le geste. Le poignet, c'est le moment. Voilà, j'espère que je vous ai donné bon conseil. Maintenant, on va l'enlever. C'est vraiment un mortier 500 kg. C'est une giclée. Là, la couche que j'ai mis, elle est trop grosse. Parce que je suis en face, je suis en train de filmer. Si jamais je donne
le coup de poignet puissant, ça va gicler de partout. Et la couche voilà une couche, je vous la caméra, voilà une couche fine. D'accrochage, la giclée. Alors, s'il y avait un petit coin à réparer, pareil. Alors, l'enduit, le mur bien rosé, la résine d'accrochage. On met, je sais pas si vous le voyez. Alors, voilà, on met la résine, on laisse un petit peu, ça fait suivant les résines, ben, elles blanchissent, elles deviennent incolores, elles deviennent légèrement bleutées, c'est là où elles deviennent légèrement bleutées. Disons qu'on a assez attendu, on a attendu, c'est le moment, on prend un peu de mortier et on applique comme ça. Admettons que l'angle était cassé, on applique comme ça, oui. Vous sentez le grain? Enfin, vous sentez pas, vous entendez le grain? Voilà. Là, on a bien arrosé. On a passé la résine d'accrochage. Un bon mortier à 500 kg. La réparation va être parfaite. Alors, bien sûr, on peut aussi, avec une tourelle, on peut aussi, vous voyez comme ça. Aussi, on voit, on fait comme ça, on peut faire comme ça aussi. Et ça, c'est surtout pour après le dressage. Deuxième couche. La giclée a séché, le lendemain, quelques jours après, on peut mettre la couche, le corps de l'enduit. Bon, le corps de l'enduit, il peut aussi s'envoyer comme ça, bien sûr, comme ça, et une fois comme ça, on l'arrange comme ça. Alors là, vous avez la giclée, la première couche, et là, vous avez l'autre couche, bien sûr, avec plus d'épaisseur que ça. Voilà. Là, on surveille
Et une fois que l'enduit sera pris, là il n'est pas pris bien sûr, je viens de le mettre, on le talochera. Comme ça, tranquille.